Bienvenue à tous sur TVM pour parler littérature jeunesse. Vous regardez Salikoa, l'émission qui, on l'espère, va vous donner envie de vous plonger dans de nouveaux bouquins. Et pour ce faire, vous le voyez sur ce plateau, je suis bien accompagné. On a une équipe en or. On a Thomas. Salut Thomas. Bonjour. Qui a 16 ans. Merci d'être avec nous. C'est ta deuxième, hein, je crois, sur Exactement. Ce plateau. Voilà. Il y a une petite nouvelle, c'est Stella. Salut Stella. Bonjour. 10 ans. Oui. CM2. Oui. C'est ça, tout comme Nabil qui est également avec nous. Salut Nabil. Bonjour. 11 ans. Oui. Voilà. Et c'est vous trois qui allez tout à l'heure, dans quelques instants, nous présenter vos coups de cœur, les livres qui vous donneront peut-être envie. Tout à l'heure, on va jouer également dans le quiz, dans le dos à dos. On vous posera des petites questions sur la littérature jeunesse. On va voir si vous êtes calé, une petite interro, mais évidemment pour rire. Et puis, il y aura aussi évidemment notre moment avec notre invité dans le Tequitois. C'est Guillaume Nail qui sera avec nous. Il est auteur jeunesse et vous verrez qu'on ira faire un petit voyage du côté des Pays-Bas. Et pour ça, on prendra le train. Mais d'abord, on démarre comme à chaque fois cette émission avec les coups de cœur. Le principe, il est simple. Vous allez nous présenter le titre du livre avec lequel vous êtes venu. Et puis évidemment, on va essayer de rentrer un petit peu dans chacune de vos histoires. Nabil, t'es venu avec quel livre aujourd'hui ? Je suis venu avec Dr. Stone. Le scénario, c'est fait par Ashiro et le dessin, c'est fait par Booki. Ok, tu vas nous expliquer ce qu'il y a dans ce livre et tu vas nous dire également pourquoi tu as aimé. Mais si tu avais un mot comme ça pour nous le décrire. Lisez-le. Lisez-le, voilà. Bon, ça fait deux mots, mais au moins, c'est clair que pour tout le monde. Stella, ton livre à toi. Ça s'appelle Ce qui reste de nos souvenirs, qui était à la base un manga, mais qui a été adapté en roman. D'accord, en un mot. Incroyable. Incroyable, voilà. Et puis on termine ce premier tour de table avec toi, Thomas, ton livre d'abord. Donc moi, c'est le premier tome des Nuées de Nathalie Bernard chez Thierry Magnier. Même exercice en un mot ? Passionnant. Ok, bah alors on va rentrer. Vous nous avez un petit peu donné envie de rentrer dans chacun de vos livres. Passionnant, avant que tu nous expliques pourquoi, d'abord explique-nous ce qu'il y a dans ce livre. C'est quoi l'histoire ? Du coup, ce livre, il y a deux histoires en un seul livre. Donc, tu as l'histoire d'une astronaute qui donc est dans l'ISS. Et la fameuse station spatiale internationale. Bien voilà. Sûr. Et en parallèle, tu as du coup Lisbeth, qui est une jeune fille qui vit dans un monde dont on ne sait rien au début de l'histoire. On sait juste qu'il n'est absolument pas comme le nôtre, notamment parce qu'il fait toujours jour. Donc, et du coup. Donc sur une autre planète, ou en tout cas une planète imaginaire, on ne sait pas. C'est ça. Et du coup, bah, on suit ces deux histoires en parallèle. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que du coup les deux histoires sont passionnantes, elles sont vraiment très différentes mais assez passionnantes. Donc celle de Lisbeth, elle est plus émouvante parce que ça parle de résistance, ça parle aussi d'espoir, d'amour, d'amitié envers sa mère, envers ses amis, parce que le lieu dans lequel elle vit est assez strict. Et en parallèle, l'autre histoire est aussi émouvante. Mais d'un autre côté, parce que c'est une mère avec sa relation avec son enfant, alors qu'elle est à plusieurs milliers de kilomètres de lui dans le ciel. Donc c'est émouvant pour ce truc-là de l'amour maternel et de. Les deux se retrouvent, on imagine, les deux histoires au final. Je peux pas trop. On peut pas le dire. Je on peux peut pas divulgâcher. Je crois que vous non, aimez bien ce exactement, mot. Exactement. C'est le terme qu'on utilise. À l'écrit des ados. Voilà. Tu nous redonnes juste le titre. C'est donc Les Nuées de Nathalie Bernard. Ok, tu restes avec nous Thomas parce que tu as du boulot aujourd'hui. Tu restes toute l'émission pour le Tequitois avec l'interview de notre invité et puis aussi pour le quiz de fin d'émission. Stella, donc ton livre, tu m'as dit, passionnant. Donc d'abord, raconte-nous l'histoire. Donc c'est Ce qui reste de nos souvenirs de Natsuki Amazawa, de l'édition Moonlight. Ça raconte, c'est un jour, un lycéen asocial qui trouve une clé USB par terre. Il la lit et c'est un testament d'une fille qui a perdu sa mémoire et qui la perd de plus en plus. Et elle veut se suicider. D'accord. Pour achever sa vie parce qu'elle en a marre de perdre la mémoire. Donc on va dire que c'est un peu sombre. Oui, comme un histoire, peu. Clairement. C'est triste. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu ? C'est le fait que le lycéen qui n'a pas d'amis au départ, qu'il la soutienne. Voilà. D'accord, donc c'est cette histoire d'amitié qui t'a intéressé. C'est émouvant. Ok, tu voulais ajouter quelque chose sur le livre ? Non, pas spécialement, enfin, c'est bien.
C'est bien, voilà. Mais c'est mieux que bien, tu nous as dit passionnant tout à l'heure. Voilà, donc pour ta présentation, merci Stella. On termine ce tour de table avec toi, Nabil. Donc avec toi, on est dans le manga. Ouais. Ouais, tu nous racontes un petit peu ce qu'il y a dans ton livre. Le livre s'appelle Dr. Stone et en gros, c'est l'histoire d'un lycéen de Tokyo. Et en gros, il aime une fille depuis 5 ans et il est décidé à lui avouer ses sentiments. Mais il y a un mystérieux phénomène. Et en gros, tous les humains de la Terre, ils se transforment en pierre. Ah. Ouais. Et il y a un scientifique, c'est un coup, lui, vu qu'il est scientifique, donc il sait comment se débrouiller, quoi. Il crée un campement et il trouve une pierre magique, quoi, on peut le dire. Et en gros, elle aide les humains qui étaient transformés en pierre à se détransformer. Ouais, voilà. Merci. À redevenir des humains, quoi. Ouais, quoi. Voilà. J'ai trouvé, c'était complet. Et les dessins, ils sont incroyables. Et voilà. Et lisez-le. Ouais. Lisez-le. Voilà, lisez-le. C'était ton mot. C'était le mot de Nabil pour nous donner envie de découvrir ce livre. Merci à vous trois pour ce premier tour de table. Merci à vous pour ces coups de cœur. Thomas, Stella, vous restez avec nous parce qu'il y a notre invité qui s'impatiente et qui veut rentrer sur ce plateau pour entendre vos questions. Merci à Nabil. On se retrouve tout à l'heure pour notre quiz dans le dos à dos. Place à l'invité, le Tekitoi. Et voilà, notre invité nous a rejoint, c'est vous, Guillaume Naï, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes scénariste, comédien et auteur jeunesse, c'est pour ça, figurez-vous, ouais. Voilà, qu'on vous reçoit aujourd'hui. On va parler de vos romans, on va parler également de votre engagement, parce que vous êtes justement à la pointe, j'allais dire, sur les questions de sexisme, d'égalité, notamment homme-femme, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je voulais peut-être qu'on démarre cette interview avec le dernier livre que vous avez sorti, en l'occurrence un album, c'est le premier, hein, je crois, premier oui, album. Tout à fait, premier album qui s'appelle La fin du train-train, qui est paru chez Glénat en octobre dernier, qui est l'histoire de Femke, une conductrice de tramway néerlandaise qui s'ennuie dans sa vie parce qu'elle habite aux Pays-Bas, elle conduit son tramway, c'est toujours tout plat, tout droit, et un jour elle tombe sur une carte d'identité d'un chef de gare qui habite à la frontière espagnole et elle décide, on ne sait pas pourquoi, peut-être d'avoir un peu de changement dans sa vie et de se lancer avec ses passagers, de traverser la France pour rejoindre ce chef de gare mais qui en fait habite dans les Pyrénées, elle a le vertige. Donc ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Premier album, mm-hmm. Ça fait quoi ? Ça change quoi de d'habitude ? Il y avait une envie d'écriture très musicale, en fait, assez étonnamment. Je ne sais pas pourquoi, enfin, j'avais besoin que ça rime. Il y a des alexandrins, il y a de la poésie, ça chante un peu. Et après, ce qui change vraiment, c'est le travail avec une illustratrice, ici Kulan, qui a fait un travail hallucinant, enfin, très, très lyrique, assez onirique, en même temps très réaliste, donc a vraiment éclairé quelque chose sur l'histoire. Donc ça, c'était génial à découvrir. Ça se lit dès 6 ans ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Dès 6 ans, donc Guillaume Naï avec donc cet album qui est sorti en octobre 2022, mm-hmm. Ça s'appelle La fin du train-train. Mais mm-hmm. Donc c'est ce premier album. Avant, il y a eu plein d'autres choses, notamment oui. des romans mm-hmm. avec cet engagement donc de lutte, on va dire, voilà pour l'égalité notamment homme-femme, mais pas que. Hein. Ça va au-delà de ça. Toutes les questions de diversité. Bah, la question à chaque fois, c'est comment on fait pour trouver sa place, comment on peut avoir le droit d'être à sa place, d'affirmer sa singularité, quel que soit le parcours, quelle que soit l'origine, quel que soit qui on est. Donc tous mes personnages, en fait, œuvrent en ce sens, et c'est parce que c'est aussi ce que j'aimerais transmettre aux lecteurs, aux lectrices. Ouais. Voilà, donc ça va des questions eh bien, de couleur de peau, mm-hmm. par exemple, de genre aussi, mm-hmm. et même de glottophobie. Alors ça, oui. c'est dans Magda, c'est un roman qui est sorti en 2019. Alors glottophobie, moi j'ai dû aller chercher, je sais pas Stella, tu sais ce que ça veut dire, glottophobie ? Thomas, non, faut expliquer. Ça peut être une question pour le quiz un jour. La glottophobie, c'est la discrimination à l'égard de l'accent, tout simplement. Donc si on a un accent du sud, on peut se faire discriminer par d'autres gens qui viendraient du nord ou n'importe quel accent aussi étranger, par exemple. Voilà, Magda, elle a 9 ans, c'est l'accent picard plutôt. Tout à fait, elle a l'accent picard, elle arrive en Normandie et dès qu'elle arrive, tout le monde se moque d'elle. Mais elle, évidemment, elle ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, là d'où elle vient, tout le monde a le même accent qu'elle. Voilà, votre premier roman jeunesse, Guillaume Naï, c'était en 2016. Mmh. Qui veut la peau de Barak et
Angela ou Angela, voilà, en fonction de là où on en est dans le livre, en fait. Voilà, et là, on est dans l'antiracisme, hein, on va le dire. Un engagement qu'on retrouve donc dans votre œuvre, mm-hmm. mais pas que. Je précise que vous avez été d'ailleurs mm-hmm. président de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse en 2019-2020. Oui. Et vous avez créé une commission spécialement sur les questions de... Bah, d'égalité filles-garçons, femmes-hommes et de diversité, ou plutôt d'absence criante de diversité en littérature jeunesse. On va parler justement de la vie un petit peu des auteurs et des illustrateurs avec les questions que vont vous poser Thomas et Stella. Stella, d'abord, ta première question pour notre invité. Pouvez-vous nous définir rapidement le droit d'auteur ? Vous avez deux heures. Ah, la question piège. En fait, dès lors que j'écris, moi j'écris des œuvres, hein, et en fait c'est la question de tout ce que, enfin, la manière dont on va défendre en fait cette œuvre que j'ai produite, qui est une œuvre de l'esprit. Donc le droit d'auteur, c'est aussi une rémunération qui va m'être versée par rapport à l'exploitation qui va être faite de cette œuvre. Mais ça me protège, donc ça protège l'œuvre. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'œuvre que j'ai produite. J'ai fait quelque chose de bien et s'il vous plaît, ne me le piquez pas. Par il exemple, faut que je puisse vivre de l'idée que j'ai eue et de ce que j'ai fait de bien. C'est un peu ça le. C'est vraiment ça, surtout en littérature jeunesse, la question de la rémunération et de l'exploitation qui est faite des œuvres pour que les auteurs, autrices dont c'est le métier puissent en vivre. Thomas, ta question. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de reconnaissance des auteurs et illustrateurs jeunesse ? Non, tout simplement, les chiffres parlent pour moi, en fait. Les auteurs autrices jeunesse sont moins payés que les auteurs autrices de littérature générale. La moyenne, c'est 5,1% de rémunération proportionnelle en moyenne, alors qu'en littérature générale, on est plutôt sur 8%. Donc, il n'y a pas de reconnaissance réelle du travail qui est fait. On ne prend pas au sérieux ce qui est fait pour les enfants ? Bah, ce qui est fait pour les enfants, ouais, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est très sérieux tout ce qui est fait et que c'est très, très, très qualitatif, qu'il y a énormément de choses, que c'est foisonnant, que ça marche très bien en plus. Ça cartonne la littérature jeunesse, mais on continue d'être moins payé. Et on sait très bien que c'est souvent au plus jeune âge qu'on forme son esprit, notamment sur les questions qui vous tiennent à cœur d'égalité homme-femme. Exactement. Et donc, c'est évidemment très important. On va passer maintenant aux questions auxquelles tous nos invités ont droit, des questions un petit peu standards qui vont vous renvoyer, vous allez voir un petit peu vers votre enfant. Qui veut poser la première question, Stella ? Quel est le livre que vous emmènerez partout avec vous ? Ah, il y a vraiment un roman que j'ai adoré quand j'étais ado qui s'appelle Léo de Hurlevent, qui a été écrit au 19e siècle en Angleterre, que je trouve complètement dingue, qui est une histoire d'amour sur plusieurs générations, avec des histoires de fantômes, de gens qui reviennent dans des paysages incroyables. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'en parle parce que je pense que c'est tellement foisonnant, il y a tellement de choses à comprendre dans ce livre que je pourrais le lire et le relire encore et je m'ennuierais pas. Thomas, est-ce que tu lisais à notre âge ? Oui, bah oui, je m'ennuyais, donc en fait c'est comme ça que je suis devenu auteur jeunesse, je pense, parce que je m'ennuyais, je me racontais des histoires et donc j'en lisais d'autres aussi pour éveiller mon esprit, et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à imaginer les miennes. C'est quoi ton auteur ou livre préféré ? Enfin, plutôt ton auteur. Alors, il y a une femme qui écrit pas en jeunesse, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Annie Ernaux, qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature. Voilà, et je trouve que c'est très très bien ce qu'elle écrit, comment elle arrive à partir de son parcours individuel à raconter quelque chose de la place des femmes dans la société, toute une époque à chaque fois, enfin ce qu'elle traverse, notamment avec un livre qui s'appelle Les années, qui extrait des photos comme ça pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'époque où elle a été prise en photo à chaque fois. Je trouve ça assez dingue. Guillaume Nay, dernière question de Thomas. Avec quel personnage fictif ou historique aimerais-tu dîner ? Ah. Ah. Ah là 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 là. Allez, j'aimerais bien savoir en vrai Marcel Proust, voilà ce que ça donnait. Merci Guillaume Nay. Voilà, ce temps d'interview est maintenant terminé. Merci à Thomas et Stella. Stella, je vais te laisser filer. On va retrouver Nabil pour le dernier temps de cette émission. On va jouer. C'est le moment du quiz. C'est le moment du dos à dos. Voilà, pour ce dos à dos, j'ai 6 questions à vous soumettre. Guillaume Nay est resté avec nous, notre invité. Voilà, vous serez un petit peu en cas de secours, notre aide, si on n'a pas la réponse en plateau à nos questions, avec Nabil qui est revenu donc pour jouer face à Thomas. Bah, on va dire tout simplement que celui qui trouve la réponse, il marque un point. Et à chaque fois, je vais donner la main pour répondre aux questions. Alors, on va commencer. Qui veut commencer ? Qui veut prendre la main en premier ?
Thomas. Alors la première, elle est quand même très simple. Hein. Je dois le dire, moi qui suis nul, j'avais la réponse. Je suis sans aucun doute le magicien le plus connu de la littérature jeunesse. Bah, Harry Potter. Harry Potter, évidemment. Sylvain, qui réalise l'émission, m'avait dit le magicien d'Oz. Voilà, mais ça remontait peut-être non, ça, un petit possible. Peu plus longtemps. Harry Potter de J.K. Rowling. Ça fait donc un point pour Thomas. Nabil, tu vas avoir la main pour la deuxième question. T'es prêt ? Autrice aux nombreux romans, je suis la créatrice du personnage de Sauveur. C'est quand même un peu plus compliqué. Est-ce que tu as une idée ? Non. Sauveur. Qui a créé Sauveur ? Non, je ne connais même pas. Tu sais pas ? Thomas ? C'est Mario de Muraille. Bravo. Voilà, Mario de Muraille. Sauveur, c'est un personnage de psychologue. Hein. Voilà, c'est ça qui vient aider les enfants qui ont des problèmes dans sa vie à lui. Mais voilà, et ce livre, Sauveur et fils, hein, avait reçu la pépite 2016 au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Ça fait deux points pour Thomas. T'as la main pour la troisième. Je suis à la recherche des 7 boules de cristal. Qui suis-je ? Alors, attends, on va laisser la main à Thomas. Non, je n'ai pas. Tu l'as pas. Nabil. Goku dans Dragon Ball. Voilà, c'est Sangoku, un manga. C'est un peu ton truc, les mangas, j'ai l'impression. Ouais. Garde bien le micro, hein, Nabil, sinon on t'entend pas. Sangoku, Dragon Ball, les boules de cristal ou les boules de dragon. Ça vous parle aussi, ça, oui. Guillaume Nye. Voilà. Bon, on a vu les dessins animés. Enfin, je sais pas, moi, ma génération, on a vu aussi les dessins animés adaptés à la télévision. Ils font quoi, ces boules de cristal, si on les a ? Il y a un dragon qui vient et tu peux exaucer n'importe quel vœu que tu veux. Voilà, si on les réunit, les 7, hein, ouais. C'est ça. Voilà. Mes souvenirs étaient un peu vagues. Quatrième question. Cette fois, c'est Nabil qui reprend la main. De quel district fait partie Katniss dans Hunger Games ? Non. Tu l'as pas ? Est-ce que Thomas, tu l'as ? Pas du tout. Non. Guillaume ? Non plus. Voilà. Je vais donner la réponse. C'est District 12, voilà, de Panem. J'avoue, j'y connais rien, mais c'est la réponse qu'il faut que je donne. Voilà. Et Katniss, c'est l'héroïne qui est interprétée par Jennifer Lawrence dans cette trilogie. Allez, encore deux questions avec toi, Nabil. Combien sont... Ah, c'est Thomas, pardon, je me trompe. Thomas, combien sont les brigands de Tommy Ungerer ? Je ne sais plus. Je l'ai su, mais je ne sais plus. Je ne sais pas, 12. 12 ? 3. Ils sont 3. Voilà, c'est les 3 brigands. C'est un album qui date de 1968. Voilà, c'est le titre de l'album. La dernière question pour toi, Nabil, cette fois, je ne me trompe pas. Qui surnomme-t-on le gentleman cambrioleur ? Je sais pas. Tu l'as pas ? Arsène Lupin. Arsène Lupin, bonne réponse. Mmh. Arsène Lupin, moi, Guillaume Nye. Aussi, ça va. Signé Maurice Leblanc, des nouvelles qui datent d'il y a longtemps aussi. Hein. Début du 20e siècle, 1907. Donc pour Arsène Lupin, 3 points pour Thomas ? Je ne sais pas. On n'a pas compté. Un point, voilà. C'est pas grave, Nabil. Tu nous en veux pas ? Non. L'important, c'était de jouer, de s'amuser donc, avec cette question autour de la littérature jeunesse. Guillaume Nye, juste avant de se quitter, on avait commencé cette émission avec les coups de cœur des adolescents. On termine avec le coup de cœur de l'invité. S'il y a un livre comme ça que vous avez envie de nous faire partager, ce serait quoi ? Celui qui a remporté le prix vendredi, le prix Goncourt de la littérature ado, qui s'appelle Les Longueurs, qui a été écrit par Claire Castillon, qui raconte l'histoire d'une jeune fille sous emprise d'un pédocriminel. Donc, c'est un sujet délicat, assez dur, mais je trouve que ce qu'a réussi l'autrice dans la manière d'écrire, de raconter cette histoire, de se placer du point de vue de la jeune fille est vraiment génial et méritait largement le prix vendredi. Donc je vous invite à lire Les Longueurs de Claire Castillon. Et nous, on vous invite donc à découvrir cet album, La fin du train-train, votre dernier livre. Guillaume Nye, merci d'avoir accepté notre invitation, surtout l'invitation de L'Écrit des ados, le groupe de lecture des bibliothèques de Montreuil. Merci Thomas. Merci Nabil, vous avez été très bon. Merci Stella aussi qui a participé à cette émission. Et nous, on vous dit évidemment à très vite pour un nouveau numéro de Salut quoi, salut.